Shalom mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur soit avec toi ce matin. Le Seigneur notre Dieu nous a fait grâce en nous prêtant le souffle de vie et nous sommes heureux de lui appartenir. Ce matin, Père, nous te disons infiniment merci pour l'œuvre de la croix, pour le sang de Christ qui a coulé à la croix pour nous, qui crie en notre faveur. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné, l'être et le mouvement, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, ce matin, le verset du jour que nous allons examiner se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, le verset 8 qui dit « Frère, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Bien-aimé, veille sur tes pensées. Tes pensées reflètent qui tu es. Nous sommes les enfants de Dieu et nos pensées doivent refléter qui nous sommes. Les enfants de lumière, rien de caché ne doit être là. Si l'ennemi nous pousse à des pensées cachées, à des pensées qui ne sont pas honorables, à des pensées qui ne sont pas vraies, à des pensées qui ne sont pas honorables, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas pures, qui ne reflètent pas l'amour, des pensées qui ne peuvent pas être approuvées, des pensées qui ne sont pas vertueuses, des pensées qui ne sont pas dignes de louange quand elles sont révélées. Mon frère, ma sœur, ce que nous devons faire, c'est de rejeter ces pensées et de dire, il est écrit que mes pensées doivent être pures, honorables, justes, aimables, doivent mériter l'approbation, doivent être vertueuses et dignes de louange. Alors, je te rejette et je prie que la lumière jaillisse en moi, cette lumière que moi-même je suis, cette lumière que le Saint-Esprit apporte pour m'éclairer avec la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, nous devons veiller sur nous-mêmes. Personne ne le fera à ta place. Oui, c'est dans les pensées que l'ennemi nous attaque premièrement. Il a attaqué de la même manière Ève dans le jardin d'Éden. Il a attaqué Jésus de la même manière et nous attaquera de la même manière. Donc, c'est à nous de résister et de laisser le Saint-Esprit nous donner les moyens de nous en sortir en nous rappelant la parole de Dieu. La tentation est très forte dans ce monde. Nous sommes environnés si facilement de péché. Oui, nos pensées sont rapidement tournées vers les choses de ce monde qui nous conduisent à des pensées impures, à des pensées qui ne méritent pas l'approbation, qui ne sont pas dignes de louange. Alors, faisons très attention par rapport à cela, mes frères, mes sœurs. Voilà la pensée du jour que nous voulons partager avec vous ce matin. Et nous voulons que le Seigneur nous aide à résister à l'ennemi. L'ennemi cherche par tous les moyens à nous dévier, mais résistons-lui avec une foi ferme. Oui, et il fuira loin de nous. Que le Seigneur, notre Dieu, te bénisse, te fortifie, mon frère, ma sœur. Que le Saint-Esprit collabore avec le Saint-Esprit, coopère avec lui. Lui, il va discerner rapidement et te dit, mon fils, ma fille, fais attention et rejette ses paroles et regarde ce que la parole de Dieu dit et accepte, lui, les conseils du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, seuls les conseils du Saint-Esprit méritent que nous puissions en tenir compte. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur, notre Dieu. Je te souhaite une excellente journée et que la parole de Dieu sois abondant dans ton cœur, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre, ce matin.